boyau. Hop là. Ça, on va le casser à la main, 15 minutes. Ajouter le combustible. 58 minutes. Ça se passe bien, je suis content. J'aime bien, pour le moment j'aime beaucoup cet endroit. Enfin, beaucoup. Faut pas exagérer parce qu'on n'en a pas vu énormément. Mais j'aime bien l'endroit parce que on est souvent en intérieur. Donc niveau... 36 minutes. Bon, ça va. Niveau genre déplacement, c'est plus simple. On n'a pas froid et tout ça, donc ça va. Minutes. Faudrait qu'on dorme aussi. On a combien de torches sur nous? On a 4 torches sur nous. On va peut-être en déposer une, parce qu'on a une lampe maintenant, donc on n'a plus trop besoin de compter sur les torches. Donc on va déposer les deux à 100%. On a ça qui est bon. On a combien? 3 litres 60, 3.6. Faudrait honnêtement être à 5 litres, qu'on soit assez tranquille. Il y a aussi un truc, c'est qu'on a déjà bouffé tout le loup. Donc il va nous falloir plus de nourriture, donc faut aller chasser. Il faut aller chasser. Pas grave. Bon bah eau non potable en pause. On va dormir. Là on est à 4 litres, ça va. J'aurais dû faire attention au feu, c'est pas grave. De toute façon on a assez chaud à l'intérieur. On va dormir. Ah, on va être en intérieur, donc à la limite c'est pas grave de se réveiller en pleine journée. Genre on va essayer de pas trop se décaler, hein, genre être réveillé la nuit et dormir le jour. On va essayer de pas trop se décaler par rapport à ça, mais il faut qu'on récupère quand même de la vie et tout, parce qu'on en a perdu pas mal en arrivant ici, donc faut faire attention. Ok, le sac à dos on va pas le prendre, enfin l'ours on va pas le prendre. C'est quoi ces bruits, des corbeaux ou c'est juste l'établissement en fait qui fait ce bruit là? Ah, il fait pas très froid aussi dehors, ça qui est bien. Mais on va rentrer. On va rentrer dans le bâtiment, donc on est tranquille. Alors, on avait cette porte qui s'ouvre. Oh, ok. Oh. Ah d'accord. C'est une porte qui se ferme automatiquement ou quoi? On a une caisse qu'on peut détruire. Ok, on peut pas. Ok. Elles sont dangereuses ces portes. Hein. Elles sont très très dangereuses. Non. Ça c'est tout nouveau ça. Genre c'est ces meubles et tout ça. Ça n'a jamais été dans The Long Dark avant qu'ils rajoutent tout ça. C'est bien. Ça change un peu. C'est un réfrigérateur? Oh. Il nous faudrait un faitout. Honnêtement, je serais content si on trouve un faitout. Après, si on trouve de la nourriture, ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment le plus important, là. C'est vraiment un faitout, en fait.
On peut pas ouvrir ces portes-là. Enfin, je sais même pas s'il y a vraiment quelque chose. Ça va être pas mal. Oh, c'est quoi ces bruits? Il y a des nouvelles musiques de d'ambiance et tout. C'est cool. C'est vraiment sympa. C'est une chaise en métal de tissu, très bien. Là, c'est censé être l'infirmerie. Non, c'est pas censé être l'infirmerie ici. Enfin, c'est pas le bâtiment principal, je crois. Pas grand chose. Ouais, vraiment pas grand chose, un peu déçu. On va continuer d'explorer. Ouais, faudrait aller dans là en fait. Il y a un cadenas. Genre, on peut le faire sauter avec une flèche. Oh, m'étonnerait. Restricted arrière. Ouais, non, il faut. Il faut un moyen pour rentrer à l'intérieur. Ou alors rentrer ici, là. On va continuer à se balader, il faut qu'on avance. Genre un trou peut-être, quelque part. Parce que tout est en ruine, donc bon. Ça me fait peur ce con. Attends, c'est quoi là? C'est un loup normal ou... Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il nous suit toujours ou pas? Il est là. Bien. On va avancer un peu. Après, on va faire demi-tour à la limite pour récupérer sa viande. On a 5 kilos de viande, c'est pas si mal. Mais je voudrais quand même un peu explorer. Mais là, c'est bien, ça. Ouh! Porte. Ok, il y a plusieurs entrées. C'est pas mal. Pas mal là. Là. Pas là alors. Ça a l'air après, on va dire que quand on est dans le périmètre, il y a tellement de portes et de choses partout. Honnêtement, ça a l'air d'être tranquille. Infirmerie, staff et tout ça. Genre, on va pas avoir de problème niveau loup par exemple. Oh, on a une corde. Yes! Ok, cool. Est-ce qu'on peut aller dans ce bâtiment? Non. Est-ce qu'on est en pleine forme? Ça va, let's go. En plus, nous, on monte très vite.
Oh la vache. Eh ouais, nous on a le mousqueton. Pas les mousquetons. Ah, le crampon. Non, attends. Vu qu'on est bien, on va faire ça. Parfait. Ok. Donc là, on a un système de chemin. Commence à avoir un peu froid par... On peut rentrer dans la tour ou pas, hein? Ah si, évidemment. Évidemment. Ah, là, 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 là. Une trappe, on peut pas l'ouvrir. Alors, fais voir. Alors, je n'arrive pas à savoir qui vient et qui s'en va, même ici. On dirait que c'est vide, mais je vais attendre un jour ou deux pour voir si la personne qui a traversé la rivière après moi allait elle aussi ici. Franchement, je crois que ce coin est maudit. Même un incendie n'y changerait rien. Intéressant. On va laisser ça ouvert. J'entends du gravier des fois, j'ai l'impression que... J'ai un peu peur que ce soit... Des animaux, mais non. Ouais, je pense qu'il faut passer par le toit en fait. Ok, ça marche. Je crois que j'ai capté le système. C'est que la porte... la porte principale est fermée et il y a tout un réseau de chemins au-dessus. Donc je pense, honnêtement, je mettrai ma main à couper que... Il faut passer par le toit. Par contre, je voudrais bien qu'on puisse pouvoir ouvrir un raccourci. Ah bah le raccourci, ça sera le bâtiment. Eh oui, le raccourci, ça sera le bâtiment, tout bêtement. Ok. J'aime bien aussi le fait que ça soit des... Putain, on peut se mettre là. Oh, c'est pas mal ici. C'est des bâtiments qui sont ouverts, en fait. En gros, on est... Comme si on était rentré dans un gros bâtiment, en fait. Quand on est rentré à Blackrock. Au pénitencier. Donc c'est intéressant, leur système. C'est pas genre extérieur, bâtiment extérieur. Là, c'est vraiment un gros extérieur avec des choses à fouiller, en fait. C'est intéressant. On ira en haut, hein, après. On a des livres, tout ça. On a des lits ici. On pourrait camper là. C'est pas mal. Ah, dis-moi qu'il y a un faitout quelque part. Ah. Il y a le loup, hein, à les faire cuire. Faut qu'on aille récupérer du bois et tout. Enfin, quoique... On peut tout couper et récupérer la viande et se casser. Mais faut pas qu'il fasse froid, en fait. Mais ouais, on peut faire comme ça, à la limite. On verra où ça nous mène. Pour le moment, on a les massettes. Donc ça va. Ok. On n'est pas dans l'urgence. J'étais sûr qu'on pouvait pas l'ouvrir de l'extérieur, cette porte. Est-ce qu'il y aurait une sorte de système où les portes, il faut les ouvrir d'un côté pour qu'on puisse les ouvrir des deux côtés? Parce que j'étais quasiment sûr. Oh, yes! Oh, yeah, yeah, yes! Très bien! Oh, ça tue. Ça tue, ça tue. On n'a même pas besoin de faire de l'eau. Ouais, on n'a pas besoin de faire de l'eau. En tout cas, pendant un petit moment. On va tout prendre, on va tout prendre. Ah, ça fait plaisir, ça. Une douche. On a même des rideaux. Enfin, pas des rideaux, mais on a des serviettes. On peut faire un peu de tissu. Ouais, on va pas s'éterniser. 500 calories. Ouais, vas-y. On va manger. Pour une fois,
comme j'ai dit, on peut les manger parce que nous, on est niveau 5. Mais la plupart du temps, je mange pas les choses qui sont à 0% pour hein, faire un petit peu un petit côté roleplay ou si c'est pourri, bah c'est pourri. Mais bon, vu que là on est en exploration, pardon, c'est ça le mot que je cherchais, on le fait. Il commence à faire un peu froid par contre. Alors, je commence aussi à bien comprendre comment Interland en fait font leur, leur map. À chaque fois, je commence directement. En fait, dès que je vois quelque chose, je comprends directement comment ils ont réfléchi et comment ils ont fait leur map et ce qu'ils voulaient en fait faire, surtout. Donc ça va. C'est plutôt sympathique pour moi. Honnêtement, j'apprécie beaucoup. Et en théorie. Oh. Est-ce qu'on peut passer par là? Genre, est-ce que. Non. Et en théorie, je dirais qu'on peut rentrer. Non? Ou alors, peut-être que j'ai tort. Hein. Peut-être que j'ai tort. Ça m'étonnerait. Ah, c'est le bâtiment où on était. D'accord, ok. Bon, j'ai peut-être dit des conneries. On peut pas rentrer. C'est étonnant quand même! Ça me paraissait plutôt évident en fait de pouvoir rentrer dans ce bâtiment par le toit, mais apparemment non. Bon bah du coup, bah merde. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais m'étonnerait. Ah bah je suis déçu, Bon, pas grave, on continue. Je regarde s'il n'y a pas des choses derrière. Là, je me demande si ça sert à quelque chose d'aller plus loin, là. Je pense pas. Ah, ça m'embête. Après, il y a la caisse, qu'est-ce qu'on fait? On peut casser la caisse? Ah, il y a peut-être cette porte-là qui est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? On casse la caisse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse? Oh! Wow! Interland, va falloir faire attention à quand vous faites des maps. Hein. Je vous ai dit déjà 100 fois de tester votre jeu. Je sais plus si elle s'ouvre cette porte. Je crois pas. Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas ouvrir les portes d'un certain côté. Ah, c'est là qu'on veut aller, nous. Bah merde alors. On peut pas ouvrir le grand portail. Bah mince alors. Ah, je suis complètement déçu. Totalement déçu. Ah, il faut que je fasse vraiment le tour. Oh, merde alors. Ah, il fait chaud. Attends. Il fait chaud, on va récupérer toute la viande du loup. On pourrait même aller visiter, mais on veut récupérer la viande, c'est primordial. Donc d'abord la viande. C'est ça, ça risque de pas durer en fait. Ok, il fait toujours chaud.
Ça y est, commence à faire froid. Et il refait chaud. Alors, est-ce qu'on camperait pas ici? Est-ce qu'on camperait pas ici plutôt? Pour pouvoir se déplacer et fouiller cet endroit là-bas. Putain, ça m'emmerde ce truc-là. On va aller voir pour le bois. Je voudrais d'abord encore faire le tour vite fait de cet endroit, s'il n'y a pas d'autres passages que j'aurais pas vu. On n'a pas fouillé toutes les voitures aussi. On n'a pas fouillé. Il y a eu quoi? Il y a eu un feu en fait ici. Vu l'état, je pense qu'il y a eu un feu. Oh, merci. Ah, on arrive déjà à 1 heure hein, de notre épisode. Donc, oh, une batterie. Pas l'impression de pouvoir la récupérer, c'est bizarre. Donc là, on peut pas passer. Là, on avait fouillé, il y avait rien. Peut-être que ici on peut passer? Ouh, ok. On a un loup là. Non, on peut pas passer. Ok, donc faut trouver un autre chemin pour explorer le reste en fait. Ah, c'est embêtant. Attends. Ah, ça m'étonnerait qu'on puisse monter. Non, on peut pas. Ouais, y a un autre chemin à prendre. Y a quelque chose à découvrir. Après, est-ce que pendant les aurores boréales, il n'y a pas genre les portes qui s'ouvrent ou quelque chose qui se passe? Hein? Ça aussi, ça serait une bonne question. Oui, je sais. On va poser ça là. Ça là. Ça, c'est pour faire de la poudre à canon et tout. On n'en a pas besoin pour le moment. De l'eau, on en a combien? 9 litres. 9 litres. J'ai mis des... Non, ok, très bien. Donc on va prendre un charbon. Ah, très bien comme ça. Ok. On est à 52 kilos. Ça marche. On va retourner donc où j'ai laissé la viande. On va faire cuire la viande. Et je pense que ça sera tout. Je crois qu'on va s'arrêter après. Mais je sais pas par où passer. C'est vide. Faut qu'on boive. Faut surtout qu'on mange, mais faut surtout du bois. Après, j'ai vu qu'on avait une caisse à côté.
Donc on va pouvoir la casser. Oui, oui, oui. Ou alors on retourne explorer ici. Ouais, on peut faire ça aussi. Tellement de possibilités. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu... ouais, passer dans les bâtiments là, hein, c'est pas grave. De toute façon, on va bien trouver un moyen. On va bien trouver un moyen au bout d'un moment, on va faire le tour et tout ça plusieurs fois et tout. Mais là, je sais pas trop par où passer. Où on se dirige de ce côté-là, là. Attendez. Heures, très bien. 48 minutes. Bon, on se dirige de ce côté-là. On voit ce qu'il y a, s'il y a des... J'en sais rien, ce qu'il peut avoir, en fait. Ouh. C'est pas trop... Ah, on va aller voir si on va explorer un peu pendant que ça cuit. Je sais pas, des choses, peut-être des petits trucs à récupérer. Okay, très bien. 42 minutes, on est à 48 kilos. Ok, 43 kilos, on peut courir. Ok, go. On va essayer de récupérer peut-être du bois ou des conneries comme ça. Et voir s'il n'y a pas d'autres loups aussi. En théorie, je dirais oui, parce que je suis quasiment sûr d'en avoir entendu. Attends, je préfère qu'on passe en hauteur si on peut. Parce que là, au niveau coupe-gorge... Ça, c'est le loup qui nous a flairé, je pense. Non. Quelque chose qui vient. C'est bien ça. C'est ce que j'avais... c'est ce que j'ai entendu, s'il y a quelque chose qui venait. Parce que la direction des pas, en fait, elle est vers l'extérieur. Donc du coup, c'est pas celui-là. Il n'a pas le temps pour toi. 22 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. J'ai l'impression qu'il pouvait peut-être passer, en fait, si on laisse la porte ouverte. On va faire attention à ça. Cuite, très bien. Voilà, très bien. Parfait. Est-ce qu'elle est fatiguée? Pas vraiment. Il fait pas très froid, honnêtement, dans cette région. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt sympathique. Mmh.
Je regarde ce qu'il fait. Donc, on a la confirmation. Ils peuvent bel et bien rentrer si on laisse les portes ouvertes. Parce que des fois, même si on a les portes ouvertes, en fait, bon, ça va nous sortir un peu du jeu, mais leur IA n'est pas programmée pour continuer dans un bâtiment, même si c'est un bâtiment à l'extérieur. Mais en gros, il va plus ou moins gogoliser devant et après, il va fuir. Mais là, eux, non. Eux, ils peuvent se déplacer pleinement, en fait, ici. Donc, c'est important. C'est très important, même, de fermer les portes pour être tranquille. Ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est très, très bon à savoir. Je suis assez heureux. Notre feu, on est à 2 heures. Ça va, cute. Ça, c'est cassé, on recycle. Aussi les flèches, il faudrait les recycler avant qu'elles cassent pour avoir plus de plumes, mais honnêtement les plumes pour l'instant ça va. Il nous en reste plus que 20. On n'en a perdu aucune. Ça va. On a 5 flux. Fûts, pardon, pas flux. 5 fûts extra. Donc on peut faire 5 flèches. Mais ça serait bien de trouver des bois pour faire des flèches. Comme ça, on est plus ou moins tranquille. On aurait une petite réserve. Écoute. Deux heures. Ah, honnêtement, c'est nickel ici. Honnêtement, là on est bien. Là, on va pouvoir bien explorer après. On va être plus ou moins tranquille en fait pour le reste de l'aventure. Enfin, le reste de l'aventure, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais on est ok. Du coup, on peut ou dormir ici. Je sais pas si c'est bien protégé ici en fait. Enfin, ouais, ça a l'air d'être ok, le vent, la température. 1 degré avec le sac de couchage, ça va être bon. Après, bien sûr, si on se met à côté du feu, c'est mieux, hein, mais... Ouais, on peut dormir à l'extérieur, honnêtement. Je crois pas qu'on va avoir des problèmes. On peut dormir là. Genre là, on a le feu. Ouais, on a le feu. 23 minutes. Oula. What? Ok. J'ai arrêté. Ok, c'est cool. J'ai arrêté parce que j'ai entendu le loup marcher. C'est pour ça que c'est bien aussi de rester accroupi. Donc, il y en a d'autres. C'est sympa. Donc, heureux qu'on avait fermé toutes les portes. On va pas trop s'approcher. Encore 1h30, 40 minutes. On a encore un truc à faire. Il y a combien d'eau? 4 litres. Bon, du coup, on risque rien. C'est le loup qui fait ce bruit, là? C'est pas très rassurant, hein,
de rester là, mais bon, on peut pas. Est-ce qu'on peut faire sécher la peau ici? Non, c'est pas considéré comme un bâtiment. Après, on peut aller... On peut aller dans le bâtiment. Ouais, non, mais il faut ressortir et tout. Non, non, oui. On peut aller dans le bâtiment, mais il faudra ressortir. Donc c'est chiant. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement dormir là. Hein. Dormir dans ce bâtiment. Hein. On peut le faire aussi. Hein. On n'a pas besoin de dormir à la belle étoile. Hein. Et il fait chaud là-dedans ou pas? Non, là-dedans, il fait pas chaud. Okay. Dans le bus. Donc ouais, il n'y a que là, on est bien protégé du vent et tout. 2 degrés, ça va. Avec ça, ça ferait 11 en plus. On va faire de l'eau. Très bien. Minutes. Je crois qu'on va dormir. On n'a pas vraiment besoin de rajouter de l'eau. Du feu, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, oui. Là, c'est pas mal. On va manger ça. Et ben, on est tranquille. Pourquoi on est aussi lourd? Non, on a ça à déposer. Ah oui. Non. Pourquoi on est aussi lourd? 44 kilos. On devrait être en dessous des 45. Pourquoi? On a beaucoup d'eau. C'est pour ça, en fait. Tout simplement. Ok. On va pouvoir manger, boire et tout ça pendant un petit moment. Ok, la prochaine fois, on va... Je sais pas où, le problème. Je sais pas vraiment où. Je vais être honnête, je sais pas là. Là, nous on est là. Là, là c'est le vert tunnel à vapeur, donc ça c'est les souterrains. Je sais pas, on peut peut-être visiter. Ici, ouais, on va peut-être. Non, ça c'est la montagne. Et nous, ça nous mène là, le souterrain. À la limite, on va peut-être visiter un peu là. Et puis, si jamais il n'y a rien du tout, on va. Bon, on sait qu'il y a un loup. Mais après, si jamais on peut rien faire ici. On retourne à l'intérieur et on va visiter les souterrains, je pense. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Après, on peut peut-être partir aussi et aller, par exemple, visiter la mine. Hein. On peut faire ça aussi. Hein. On peut faire ça. Mais ouais, on va dormir. Bon 10 heures. Et ouais, ça va bien se passer. Bon épisode. On a avancé, on a découvert des choses. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao.